Oui, bonsoir Internet, c'est Nours au micro, Nours à poil, mais toujours avec le respect de l'humanité. Je vous montrerai pas justement ces poils soyeux. Nous sommes partis d'ici bientôt 15 secondes top pour une partie de PUBG en direct live de Dijon City. Et puis voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe, hein. On est dimanche, il fait beau, il fait chaud, d'où le fait que je sois à poil. En espérant que le son ne sera pas trop dégueulasse, je suis en train de tester une nouvelle carte de son, la Soul Blaster GX6, je crois, ou un truc comme ça. Et bien voilà, on verra ce que ça dit, on verra ce que ça donne. Et on va aller où? 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 Où est-ce qu'on ferait pas du Milta? Ou est-ce qu'on ferait pas du classique par là, genre ouais. Non mais je vais tenter là, ouais, Milta. Ou alors on va tenter là. Là c'est bien là. Là voilà. Là et puis on va aller là. Voilà. On va aller tenter la Syrie. C'est parti. On laisse tomber les tatanes. Et on va aller scier les bûches. Quitte à se propager vers la prison par la suite si jamais il y a un peu de monde à aller défourailler là-bas. Alors est-ce qu'il y a des gens? Y a-t-il des gens? A priori, il n'y a pas de gens. On va donc être tranquille pour pouvoir loot. Voilà, faut que je dégage tout ce qui est un bordel qu'il y a sur le bureau là, c'est sinon je vais pas y arriver. Ouais, j'ai de la musique de merde dans la tête. Je m'en voudrais pas, je risque de le chanter pas mal de fois. Alors, est-ce que je vais encore galérer comme un con pour trouver un sac à dos? Mes gros doigts. Je vais prendre ça au cas où parce qu'il est possible que je trouve un petit truc sympa. Donc on va prendre un peu de 7 pour l'instant. On verra ce qu'on en fait par la suite. Faut trouver un truc bien en 7, on va prendre la M16. Putain, on va rester bloqué sur une palette. J'aime bien. Je vais garder la M4 en full. Hop, on va mettre la lunette en x 6 sur la M16. Ça c'est très bien, le viseur point rouge. Quelques boosters, ça tombe bien. La zone, on est dedans, donc il n'y a pas à paniquer. On va pouvoir aller choper des petits gars à droite à gauche, tranquillou. Ce serait bien juste que je trouve un meilleur sac. Et éventuellement un meilleur gilet aussi. Gilet 1, sac 1, on va peut-être pas aller bien loin. Là j'ai déjà tout pris. Oui, non, non, je vais pas. Je vais changer pour du 7 si je trouve un cœur ou un truc comme ça. Sinon, non, c'est. Qu'est-ce que j'ai pris là? Non, je veux pas de flingue. Casse-toi. Monte un peu le son.
Donc là, j'ai de quoi me heal, hein, clairement. Hop, hop, voilà. Là, on va prendre un peu de ça. Nickel. Un sac, s'il vous plaît. Un plus gros sac. Le casque, je suis déjà T2. Ok. Juste un plus gros sac. On va juste prendre ça comme ça. Voilà, hop. Pas de checker où était l'avion. Je vais le prendre quand même parce que le but en fait c'est d'en trouver un. Le but c'est d'en trouver un. Un petit repose-pouce. La M4 commence à être pas mal. Il me faudra un petit compensateur. L'avion, à part faire lever les yeux, il... C'est beau ça! Bah dis donc! Allez, montons le son pour pas se faire niquer. Ça veut dire qu'il y a sûrement un petit bonhomme dans le coin. Ou alors c'est du pur hasard. Un peu du mal à le croire quand même. Si je la garde quand même. Ouais, on va laisser ça. Et on va prendre ça. Et voilà. On est plutôt pas mal. Alors, l'avion faisait ça, hein, de mémoire. Donc on va aller plutôt checker du côté de Milta. Par contre, je vais aller reprendre des balles. Parce que clairement, j'en ai pas assez. Ah, j'ai toujours un sac 1. Les branches. Ils font pas leur taf les bûcherons, ils coupent les arbres mais ils font pas les branches propres. Alors si je dis pas de conneries, il y avait du 7 par là. Je dis des conneries, c'était pas par là, non c'était au-dessus. Non, c'était pas là. Merde, c'était où? Ouais, il y en a un petit peu, mais je crois qu'il y a un endroit où il y en a un peu beaucoup. Direction Milta. Sac 2, nickel. Le F15, c'est assez impressionnant quand même. Là, il y a un buggy, je vais le marquer.
au cas où il y en ait besoin par la suite. Mais je vais pas le prendre tout de suite pour pas me faire pas faire trop de bordel quoi, tout simplement. Ce caillou sera mon caillou. C'est à partir de là que je vais caillouter. Un truc vite fait. Ah bah ça tombe bien. Je vais essayer de réduire un peu la luminosité parce que j'ai changé des trucs, mais ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ouf. J'arrive pas à trouver des réglages qui vont bien, qui me baissent pas les FPS avec lesquels je peux record et tout. Ce jeu a l'air d'être quand même assez compliqué à record de manière qualitative. Voiture. Peut-être pas de là que ça tirait, hein. Peut-être plus de là. Là, il y a eu quelque chose, là, la porte est défoncée un peu. Ouais. Ok, on voit une autre voiture, toute neuve. Je vais t'embordurer nos zones, donc c'est bien qu'il y ait la voiture là, comme ça après je pourrais aller me poser au middle s'il faut. Le plan est plutôt pas trop mal. Je pense quand même qu'il doit y avoir quelqu'un là-bas. Et ici aussi, ici ça s'est fighté. Donc soit il y avait quelqu'un, soit il y a quelqu'un. Ça l'avenir nous le dira. Je vais checker quand même du côté plus de Milta. J'ai 3, casque 3, j'ai pas le sac 3 par contre. En même temps j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin de plus de trucs, j'ai des bouts, j'ai de quoi me soigner. J'ai un peu léger en balles, j'ai pas de grenade par contre. Ça peut être un peu emmerdant. J'ai pas de grenade, j'ai deux smokes. C'est pas ouf. Ça peut partir très vite ces petites choses là. Ça a l'air d'être calme à Milta, je comprends pas, parce que c'était quand même bien sur la zone. Ça a l'air d'être très calme, la zone était là. Il y a peut-être beaucoup de gens à Pochinki en fait, plus que par là. Je pense pas qu'il y en ait trop qui soient les militaris. Ah. Alors, il est où? Il fait quoi? Il passe par où? Vas-y. Monte là.
Tu veux pas venir là? Il a baisé la gueule. J'ai mis une tête. Ils sont deux. Je suis tout seul. J'aime pas cette affaire. Je vais reprendre un peu de hauteur et un caillou surtout. Il est là. Il est juste là. Donc ça se fait lui et lui. Ça c'est bien ça. Chargeur rapide XXL, chargeur rapide XXL. Rien besoin de plus. Ça sert à rien que je m'emmerde. Je suis au taquet à niveau booster, je suis toujours dans la zone, je suis toujours mon véhicule si besoin, je suis plutôt pas mal. Il y a juste un mec qui s'est arrêté là en bagnole je pense, je sais pas trop où, par là. Direction le centre. Donc ça, est-ce que c'est le mec de la maison là-bas derrière? Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a pris? Non. En même temps, je lui ai pété deux pneus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'aller loot l'autre du fois qu'il a un sac 3. Je crois qu'il est mort au-dessus. Hein. Et puis, oh. Il y a un truc là. Non. Je crois qu'il est mort là. Hein. C'est pas loin, c'est pas loin. Faut juste que mon mec ne m'engueulisse pas. Putain. Il y a quand même un problème dans le jeu avec les cailloux et tout quoi. Il est pas mort par là? Ah non, il est mort là-haut. Pardon. Alors déjà le mec m'engueulise et si moi aussi je m'engueulise. On est mal barré. Adieu. Ok. Il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui... C'est quoi ça? C'est un caillou. Peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne de la Syrie parce que j'y étais... Putain mais il en chie le mec. Sac 3. Non, sac 2. Ok. Ouais. Pff, du bandage.
Du bandage, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça plutôt. Voilà, hop. On va prendre un peu de bandage quand même. Histoire de... Là on est bien. Là on est super bien, Tintin. Faudrait juste un sac 3. Bon allez. Allons-y gaiement. Courons dans la pampa. On n'est pas très loin, donc ça va le faire. Et on va surveiller la zone sur notre gauche. Du coup, par rapport à l'avion, c'est ce qui est le plus probable en termes d'arrivée. Hormis les petits énergumènes qui s'amusent à choper des véhicules pour aller loot plus loin. On est quand même relativement pas mal. Vraiment que j'arrive à trouver un truc pour les... Pour les graphismes, pour pas que ça fasse des apparitions de trucs de merde. Par contre, ouais, il y a quand même une sacrée zone à découvert là, et il y a une montagne là. Et... Ah, ça shoot là-bas. Il suffit qu'un connard qui vienne de prison, et je peux me mettre à la... Je sais pas si je cours directement dans la zone ou si j'attends un peu. Putain, il y a eu une caisse là. Il y a eu une caisse. Allez, on va grid. Il faut qu'il y ait un sac 3. C'est vraiment le fait de grid là. Et ben oui, il y a un sac 3. Donc j'ai bien fait. Et non, j'ai pas bien fait. Allez, cavale, on va te mettre à couvert. Ça vient de loin. Ça vient de la gauche. En tirant, il s'est fait voir par un autre. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, moi, il faut vraiment que j'arrive à me trouver un petit coin safe. A priori, il n'y a pas de cailloux sur l'arrivée du bleu. Ça me fait chier. T'es obligé de me mettre comme un PD dans les champs. Le temps de me remettre de la vie. J'aime pas trop être au milieu de nulle part. Là par contre je suis mal. Faut vraiment que je m'arrête direct. S'il y en a un qui me voit, je suis mort. J'ai pas le choix. D'autre choix que de faire ça. Je vais me foutre à poil aussi. Et voilà. Putain, fait chier. C'était la partie. De toute façon, j'avais pas le choix. Si je continuais de courir, les mecs m'auraient vu, ils m'auraient shooté quand même. J'avais aucune chance de m'en sortir. Il est où? Oh, en plus, il est en train de ramper comme un enculé. Ouais, je pense que c'est lui qui avait pris la caisse, ou au moins une autre caisse. Il a gilet 3, casque 3 et la WP. Et il était derrière moi. Il était pas sur ma gauche. Par rapport à la map, je crois. Si je dis pas de conneries. Ah, et. Ouais. Il était derrière moi à droite. Je sais plus où je suis mort exactement. J'ai juste vite fait regarder sur le replay. Parce que du coup, j'ai un doute de où il était. En même temps, c'était la première partie de la journée, hein. Le temps de se chauffer, machin, tout ça, tout ça. Alors, bah déjà, on va regarder vite fait ce qui s'est passé, voir si j'étais bien tout seul. Ouais, j'étais bien tout seul ici. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il n'y a eu personne de prison. Et effectivement, il y avait pas grand monde sur cette partie de la map. Donc ça servait à rien en fait que j'aille sculpter Milta comme un mec en chien, quoi. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui serait parti de Milta. Ils étaient deux, ils se sont entretués. Il y avait vraiment personne là. Alors lui, par contre, il aurait pu me voir. Ah, mais c'est lui qui était après sur le... Sur le caillou, je pense. C'est lui que j'ai dû buter après.
Lui, il aurait pu me voir, mais il ne m'a pas vu. Et là, j'aurais pu le voir. Et je ne l'ai pas vu. Putain, on s'est croisés, en fait. D'accord. On s'est moult croisés. Le mec, en fait, est pas venu... Bah, il est con, en fait, de passer vers Siri et de pas y aller. Ah, il a vraiment fait le tour. Je pense que lui, il voulait choper Milta Power au retour. Donc là, personne, personne. J'ai attendu pour rien, en fait. Lui, il est redescendu par là. Ça, c'est la petite voiture qui allait bien. Lui, il a fait feu sur la voiture. J'aime bien savoir à peu près ce qui s'est passé. Lui, c'est lui qui allait dans la maison, hein, si j'ai pas de conneries. Ça. Donc après, lui, il a dû m'entendre. C'est lui qui était sur le caillou au-dessus. Lui, il est venu. C'est lui qui a fait le tour. C'est ça. Voilà. Alors, il était juste derrière. C'est marrant aussi, il était vraiment juste derrière. Il regardait derrière, il a pas entendu que je... Est-ce qu'il entend quand je tire quand même? Il entend pas. Enfin, il entend, mais il sait pas. Il m'entend là quand même. Ah, il en a pris du mec de la maison. C'est pour ça qu'il est resté caché pas bien. D'accord. Et donc, je vais aller directement vers la fin, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est savoir d'où venait le petit monsieur qui m'a buté. Donc là, j'étais dans le bleu. Et il était où? C'est lui hein, qui m'a tué, c'est ça. Ah donc il était bien sur ma gauche. Alors je reviens un peu en arrière. Ah et là. Ah bah là il me voit là, oui c'est sûr. Là c'est sûr qu'il me voit. Pas de soucis. Et j'aurais dû ramper un minimum et même en rampant tout à l'heure. Je serais mort. Bon, bah, c'est dommage, je pense sincèrement que j'avais pas le choix, de toute façon je me serais fait tirer comme un lapin si j'avais continué de traverser la plaine, donc je sais pas si c'est un mauvais choix ou pas, j'aurais peut-être dû continuer de courir, il aurait fallu que le mec se fasse pique par un autre en fait pour que je sois tranquille, et ça c'est un gros pari que... Je n'ai pas pris. Bon, bref, voilà. C'était une petite game, pas ouf, mais c'était la délie du jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. C'était Nours au micro.